Tout d'abord, merci beaucoup à vous tous d'être là et à Odilek de m'avoir invité pour partager avec vous quelques expériences de ma vie professionnelle. Bon, Emma a déjà fait un aperçu de ma vie, mais je ne vais pas vous parler de toutes les choses que j'ai faites, évidemment. Alors, je vais lier mon parcours à ces parties qui vous intéressent le plus. Ça veut dire l'architecture et les œuvres d'art. J'ai fait mes études en Espagne et la licence, et après j'ai obtenu une bourse et je suis venue à Paris pour, à la Sorbonne pour faire ma thèse sur l'école de Paris, évidemment des peintures. Mais après, la vie t'échange un peu de ton parcours et. J'ai commencé aussi avec, après de faire des études aussi, doctorat d'architecture, muséologie, muséographie, mais j'ai été nommée directrice artistique à Séville pour Expo 92. Ça fonctionne. Pour les pavillons internationaux de la Croix-Rouge. Alors, il fallait pour faire un concours international, on appelle aux architectes. Et je ne sais pas si vous, déjà, vous avez eu quelques workshops ou quelques cours sur les expositions universelles, mais c'est une expérience aussi très importante, ou était pour les architectes, une expérience très importante du point de vue de l'architecture. Pour les pavillons de la Croix-Rouge, qu'est-ce qu'il fallait faire? Alors, moi, j'ai donné tout un cahier de charges et des contenus, parce que la Croix-Rouge, le plus important, c'est-à-dire, pour certaines, les fonctions, qu'est-ce que fait la Croix-Rouge pendant les désastres, la guerre, etc. Alors, la structure, les monuments que vous faites c'est autour d'un contenu. Le plus important, c'est le contenu. Et après, il y a tout à l'extérieur, quelque chose qui vient, il faut attirer l'attention. Mais ce n'est pas ça le plus important, c'est l'intérieur que c'est le plus important. Alors, un jour, si je crois que pour vous, ça sera toujours une expérience très intéressante de voir comment les architectes évoluent dans les concepts, dans les grands espaces. Et pour recevoir des millions et des millions de personnes dans quelques jours. Et ça, c'est l'expérience d'une exposition universelle. Après, j'étais à la Croix-Rouge, mais l'État espagnol m'a proposé de rentrer à la société estatale pour faire un pavillon dédié aux avant-gardes du monde entier. Alors, on a construit un pavillon avec une structure aérospatiale. Et voilà, les photos ne sont pas de très, très bonne qualité, mais je les fais très rapide. Mais bon, vous voyez un aperçu de la structure. Et comme pour signaler qu'à l'extérieur, il y a toute une structure, c'est comme une tente, mais de 3 500 mètres. Il y avait. Une salle de 350 mètres, deux salles de 400 qui devenaient une salle de 800 mètres et deux salles de 500 mètres qui devenaient une salle de 1000 mètres. Et comme ça, ce sont les États membres qui participaient, qui exposaient, qui faisaient. Alors, pour ça, c'est encore un chantier. Pour après l'entrée, on ne voyait pas très bien que c'était cette structure. On a ajouté ici des panneaux avec des perforés, que ça que c'est donné l'ombre, parce que la queue, les queues pour entrer au pavillon, c'était très important. On parle de Séville. Séville, on pourrait être à 40 ou 42 degrés. Alors, pour faire la queue à 40 degrés, il faut toujours faire une protection à l'extérieur pour que les gens puissent rester avant d'entrer. Dans n'importe quel pavillon. Alors, on a créé cette structure à l'extérieur pour que les gens puissent se reposer.
Ça, ce n'est pas bien encore, encore un peu de protection, et qu'à l'extérieur, toujours, hein, des œuvres d'art. Toujours, la relation, même si les pavillons, c'était un pavillon dédié aux avant-gardes de mon entier, à l'extérieur, on faisait une exposition des sculpteurs de la communauté européenne, de 12 pays de la communauté européenne. Jusqu'en 92, c'était l'exposition universelle où je crois qu'il y avait plus d'art et des œuvres d'art liées aux espaces, dans l'espace extérieur, à l'intérieur des pavillons, etc. Et la relation entre les pavillons, l'architecture et les sculptures, ces dialogues de l'art étaient très, très, très importants toujours dans cette exposition universelle. Je crois que ce n'était pas le cas dans d'autres expositions. À l'intérieur, comme je vous avais déjà expliqué, j'ai créé les salles d'exposition toujours avec des très hauts murs de 5 mètres avec les structures aérospatiales. Et comme vous voyez ici, hein, ça, c'était des panneaux mobiles, hein, que ça qui donne toujours, on pouvait faire les salles plus grandes, plus petites, ou les partager avec des pays différents. Et ça, c'était une expérience. On a eu dans ces mois plus de 6 millions de visiteurs avec tous les États membres, tous les pays qui ont participé, des pays comme la France, on a eu une salle de 2000 mètres. Ici, c'est un aperçu de l'exposition d'Israël. Est-ce que vous savez qui a fait ça? Voilà, à l'époque encore, ce n'était pas très connu. Mais c'était la première œuvre que lui, c'était mon voisin, c'est pour cela que je voulais dire, je n'ai rien à voir dedans, mais c'était mon voisin, c'est pour cela que j'ai vu les photos et j'ai dit, Tadeo Ando. C'était la première œuvre que Tadeo Ando a fait en Europe, en Espagne, à Séville pour l'Expo 92. C'était un pavillon éphémère en bois et c'était le seul pavillon où l'accès était par le haut, à la place en bas, comme ça. Les gens déjà, c'était un peu, on croyait que la file d'attente était plus petite, mais le soleil encore, c'était beaucoup plus important. Après, j'ai fait d'autres choses. Emma aussi l'a signalé comme des choses politiques avec les rencontres de la Faïs Montréal, etc. Et c'est ça qu'on m'a proposé. C'est pour cela qu'on m'a proposé de venir à Paris à la UNESCO, mais j'ai dit oui, mais je suis docteur en histoire de l'art, je veux m'occuper des expositions d'art, mais pas de politique. Alors, j'ai accepté ces conditions et j'ai commencé à m'occuper de toutes les choses qui avaient quelque chose à dire, c'est-à-dire les expositions, les concerts, toutes les manifestations culturelles. Dans un espace, hein, je ne sais pas, quelqu'un ici connaît où se trouve l'UNESCO? Dans le 15e, il y a une partie où sont les États membres. Mais le siège principal, c'est à Fontenoy. La place Fontenoy, c'est juste c'est un espace qui appartenait à l'école militaire et l'État français a donné à l'UNESCO pour construire ces bâtiments. Hein? Ces bâtiments qui ont été construits entre 1956 et 1958 par Nervi, Serfus et Breuer sont les trois architectes qui ont pris le concours. Tout à l'UNESCO, c'est par concours. Même nous, je dis, je suis venue, mais j'ai passé aussi un concours. Et tout le monde, toutes les choses qu'on fait à l'UNESCO, c'est par concours international. Alors, ces trois architectes, après qu'en 1956 venait de se terminer les bâtiments principaux des Nations Unies à New York, peut-être ça aussi vous l'avez vu à la télé aujourd'hui, il y a malheureusement beaucoup de fois qu'ils sortent ces bâtiments étaient terminés en 1956 et en 1956. Et on a commencé à construire ces bâtiments avec des personnes comme Costa Gropius, qui était dans les comités pour les œuvres d'art et l'architecture,
mais sont ces trois architectes qui ont emporté le concours pour faire les bâtiments de la UNESCO. Alors, vous voyez ici, c'est le hall principal, si vous ne le connaissez pas, et je vous invite un jour à que vous devez visiter parce que, du point de vue de l'architecture, c'est très intéressant, hein, parce qu'il y a la relation entre qu'est-ce que c'est un pavillon de conférence, en même temps, on utilise les espaces pour faire des expositions, etc. C'est un espace, vous voyez ces photos de l'époque, hein, ces photos, c'est de 58. Aujourd'hui, on croit que c'est très à la mode. Ces photos de Breuer étaient déjà faites en 58. Hein. Aujourd'hui, on les voit partout parce que c'est très à la mode et sont déjà là. C'est un espace, hein, ça c'est une photo aussi de 58 au début, hein, que l'influence, vous voyez, de la Bauhaus, l'influence de Brasilia, hein, on parle des années 58, 56-58, Brasilia est présente, Le Corbusier, Costa, c'est Brasilia, tout ça, et à qui on a donné pour faire les dessins des jardins, et après on va les voir aussi à Bourlemax. À nouveau, on revient à la Brasilia. Alors, toute cette influence Bauhaus, Brasilia et aussi Le Corbusier, parce que Le Corbusier, c'est lui qui voulait faire les pavillons, les bâtiments de l'UNESCO, mais il n'a pas eu. Alors, mais comme il était dans les comités, l'influence de Le Corbusier, nous pouvons le voir à l'intérieur et avec cet aspect de pilotis à l'extérieur, même les couleurs des portes. Après, il y a une influence assez importante. Je vous remets que dans les années 60, une fois qu'a été inauguré en 58, octobre de 58, ce bâtiment, déjà, si au début, l'UNESCO, il y avait 45 États membres qui ont constitué l'UNESCO, une fois qu'a été construit, on voit que le bâtiment est déjà petit. Ça veut dire que tout de suite, ils ont pensé à grandir, faire un autre bâtiment. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont fait ici un bâtiment, un projet avec une espèce de tour qui a été refusé par Bâtiments de France. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ce tour a été fait, le projet était de Serfus, mais a été rejeté. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'ils ont proposé maintenant, et à la place de construire une tour, comme il l'avait proposé, ils ont fait les projets qui ont été acceptés. Finalement, ils sont construits à l'intérieur. Alors, il y a trois sous-sols hein, où sont faits tous les bureaux et tous les bureaux qui sont faits autour des six patios. Et ces six patios ont été aussi dessinés et créés par Bourlemax. Et alors, ces fonctions de patio sont liées à l'esplanade de l'extérieur de la piazza, qui sont décorées aussi par Bourlemax. Ça, j'ai mis cette photo pour l'importance que ça, c'est Nervi, hein? Lui qui a dessiné cet envol de la cornette en ciment et on croyait, on disait entre eux, parce que ça, on lit les archives, etc. Et entre les autres architectes, on disait que ça, ça n'est pas tenir, c'était trop lourd, trop grand, etc. Mais je vous rappelle que Jean-Pierre Nervi, lui, il était ingénieur. Alors, comme ingénieur, il disait, ça, on l'a construit, c'est moi qui l'ai dit, c'est moi qui vais faire l'étude, les calculs, et ça, ça ne va pas tomber. Effectivement, il est toujours là, il est magnifique, et c'est pour ça que je vous dis qu'il fallait la voir, la visiter. Alors, ce bâtiment, comment a été fait? Depuis le début des années 50, c'est une chose très importante de que quand on commence ces cohérences dans l'architecture pour les choses modernes, c'est que l'intégration de l'art dans l'architecture.
Et cette intégration de l'art et de l'architecture, qu'est-ce que ça veut dire? Que construire un bureau des Nations Unies, bon, je n'ai pas posé la question, est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est l'UNESCO? Je parle de l'UNESCO, mais pour moi, c'est bien évident. Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est l'UNESCO? Personne ne sait? Bon, c'est l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. D'accord? Il y a des organismes des Nations Unies, l'ONU est à New York, mais l'organisme éducation, science et culture, hein, et communication maintenant, pour la protection du patrimoine, pour toutes les choses qu'on voit. Ah, c'est protéger le patrimoine de l'UNESCO, c'est ça. On s'occupe de ça pour les tsunamis. Qu'est-ce qui se passe? Toute la recherche pour les tsunamis, c'est science, c'est l'UNESCO ici, etc., etc. Alors, pour construire les bâtiments de l'UNESCO à Paris, les choses très importantes, c'est faire que la culture soit présente dans tous les bâtiments. Et n'importe quel artiste qui va être choisi par ce comité des œuvres d'art et d'architecture va choisir aussi les artistes qui vont intégrer les bâtiments. Et c'est un bâtiment qui va, depuis le début, ça, hein, je vous présente ici, c'est déjà les jardins de Noguchi. C'est le premier jardin que Noguchi aussi était un architecte, hein, nippo-américain, et que c'était son premier jardin. 56. Le premier arbre a été planté en même temps qu'on a mis la première pierre du bâtiment. C'est-à-dire qu'on commence déjà à intégrer même cette sculpture, c'est aussi de Noguchi, et s'intègre dans cet espace à l'extérieur les jardins comme une œuvre d'art, les sculptures comme une œuvre d'art, un espace qui appartient au bâtiment comme une œuvre d'art. Alors, toutes les œuvres, on commence déjà à faire des appels aux sculpteurs, aux photographes, etc. Vous reconnaissez cette œuvre? Calder, 56. On continue. Vous voyez? C'est à l'extérieur comme à l'intérieur. Henry Moore, c'est la même chose. On demande à Henry Moore de faire une œuvre pour l'UNESCO, célèbre en pierre, en travertin, plus grande que Henry Moore a jamais fait. Il y a une autre plus grande, mais c'est en bronze. Mais en pierre, en original, celle-là, c'est 40 tonnes et c'est chez nous. Alors, il y a une place, il y a un lieu spécifique pour cette sculpture. On ne peut pas la mettre n'importe où. Chaque pièce a un endroit certain. D'autres ont été déplacées, mais au début, avec un symbole. Et elle regarde aussi les bâtiments avec un splendeur. Il y a toujours un lien entre les œuvres et les bâtiments. Toujours. Ça, Miró, c'est les mosaïques de Miró. Ce sont les premières mosaïques céramiques que Miró a faites. Les premières, 56 aussi. Et il les a travaillées et Miró dormait là pour travailler et pouvoir. Alors, on a déjà vu sculpture, jardin, céramique, d'accord? Picasso, et c'est le tableau, une peinture plus grande qu'a jamais fait Picasso. Il est là, à l'UNESCO. Alors, même si la photo a été un peu touchée, on ne le voit pas très bien, mais il est un peu, c'est pas tout droit. Hein, là, on donne l'impression que les tableaux de droit, mais bon, non, pourquoi? Parce qu'à Picasso, on lui a donné cet mur qui n'est pas régulier. Et Picasso s'est adapté à cet espace parce que la logique, c'était toujours, on ne prend pas un tableau et on l'accroche, sinon que les artistes sont intégrés dans les bâtiments depuis le début. Un fresque, Tamayo, c'est la même chose, une salle de conférence, à l'intérieur de la salle de conférence, c'est la même chose. Ces fresques a été fait de la même manière que Michelangelo faisait les fresques, avec un échafaudage et fait son,
Sur place, on ne peut pas retirer ce tableau et le mettre ailleurs. Non, c'est une partie des bâtiments. Giacometti, ça, ça présentait les choses des années 56-58 parce qu'on était commandé en même temps que les bâtiments. Mais à l'UNESCO, on a continué à acheter des œuvres pour que l'art soit en continu, en permanence, partie intégrée de cet bâtiment. Et ça, ça vous dit quelque chose? Tadeando, à nouveau. C'est pour cela que je voulais faire les liens, même si la photo précédente, on ne les voyait pas, mais il y a la moitié de ça déjà comme une partie. Il y a certaines choses qu'on voit déjà qui étaient dans l'esprit de Tadeando, comme cette passerelle, etc. Mais c'est en béton à l'intérieur, à l'extérieur. Alors, Tadeando, on l'a fait pour le 50e anniversaire de l'UNESCO en 1995. Et c'est vrai que 1995, c'est déjà un peu loin de 1958 qui a été terminé. Et l'espace qui reste à l'extérieur, ce n'est pas énorme. Mais Tadeando a dû incrusté, si on peut dire, cette œuvre dans un petit espace qui restait, mais c'est une œuvre vraiment magnifique, extraordinaire, que je vous invite encore une fois à visiter parce que c'est rien à voir avec les photos. Hein. C'est entrer dans cet espace, hein, c'est un espace de méditation, c'est l'acoustique, l'ambiance. C'est petit, mais c'est énorme, comme architecture, bien entendu. Une autre, Dani Caravan aussi, c'est une œuvre à nouveau. On revient au jardin. Il a choisi aussi un olivier et tout l'acte de la constitution de l'UNESCO pour créer cet espace et un hommage à Isaac Rabin. En 96. Après, il y a qu'est-ce qui se passe avec l'UNESCO? Il y a une partie des œuvres qui ont été achetées pour la construction du bâtiment. Ce sont les années 50, 60, etc. Nous avons vu Giacometti, Chigida, etc. jusqu'à 70. Mais après, il y a d'autres qu'on accepte aussi comme cadeau et qu'il faut toujours. Ça, encore, sont des achats. Exposer des œuvres dans un bâtiment qui a été créé pour d'autres choses, c'est toujours un peu compliqué. Une chose, c'est donner à un artiste un mur, comme à Picasso ou à Miro, pour faire quelque chose à l'extérieur, ou à l'esculteur, mettre une sculpture à l'extérieur, c'est beaucoup plus facile qu'après, adapter, prendre les œuvres que tu as et les mettre en évidence et toujours dans les espaces qui ont été déjà créés pour d'autres choses. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé, par exemple, comme ici vous pouvez voir, la galerie des tapis. Et comme ça, on donne quelque chose, une unité, un espace avec des choses qui sont assez différentes. Mais bon, tout ça avec une technique Aubusson. Vous voyez ici, que c'est Avakanovich. C'est rien à voir en technique. Je ne sais pas si vous connaissez Avakanovich, mais la technique, c'est complètement différente. Alors, je l'ai mis dans autre espace, dans le même sous-sol, mais dans une autre part pour ne pas les mélanger avec Aubusson. Cette sculpture ARP, aussi de 58, c'est dans le même espace, mais c'est une sculpture qui était de 58 aussi à l'extérieur, mais on l'a mis en intérieur dans les années 70 pour qu'elle ne s'abîme pas. Ça aussi, on continue, c'est une donation tapis pour le 50e anniversaire de l'UNESCO. Alors, on l'a mis aussi à l'extérieur, et ça aussi, c'est de donation de héros pour le 50e anniversaire.
On continue pour vous donner cet aperçu de comment utiliser les espaces pour les œuvres d'art. Vous, comme architecte, on dirait, qu'est-ce que pour vous c'est le plus important quand il faut manipuler ou il faut accepter les œuvres d'art? Qu'est-ce que c'est pour vous le plus important? Très bien, la lumière. Et une autre chose avec la lumière. Voilà, l'espace. L'espace, la lumière sont les choses plus importantes. Alors, si ici il y a des fenêtres, alors déjà, on a créé, comme je vous ai parlé avant, de Le Corbusier. Le Corbusier à l'époque, il avait son petite influence. Les étages ont été divisés. Il avait l'aile bleue, l'aile rouge, l'aile jaune, aujourd'hui toujours. Mais après la restauration, on a changé toutes les portes et on a mis, pour avoir ces repères d'aile rouge, jaune et bleu, on a fait la peinture des murs dans ces couleurs. Alors après, moi, j'ai dit adapter les œuvres qu'on avait déjà dans cet espace qui, d'une part, avait déjà des couleurs très fortes et il fallait tenir en compte de la lumière parce qu'on ne peut pas accrocher n'importe où un huile, qu'un dessin, qu'un tapis, etc., une sculpture. Alors, tout ça, il faut tenir en compte tout ça pour créer et accrocher les œuvres qu'on avait déjà, qui ne sont pas des achats, qui sont toujours des donations diplomatiques que des fois on ne peut pas refuser, mais qu'on peut mettre dans les espaces. Ce sont les espaces de bureaux, sont où nous avons les bureaux, on travaille tous les jours. Alors, j'ai créé, comme nous savons, tous les pays et tous les États membres qui viennent de tous les espaces des continents. J'ai créé le premier étage pour l'Afrique. Alors, quand arrive une œuvre africaine, ce n'est pas de la collection patrimoniale, on les met au premier étage. Et alors, ici, on voit qu'il y a Malangatana, il est tapis du Sénégal, il est les sculptures. Oui, tu voulais dire quelque chose? Deuxième étage. Alors, on a créé les œuvres pour les pays arabes. C'est-à-dire que quand il y a des pays arabes qui nous font une donation, on les accroche au deuxième étage. Et comme ça, parce que sinon, tout le monde va être à côté de Giacometti, à côté de Miro, à côté de Picasso. Je ne peux pas. Alors, ici, troisième étage, l'Amérique latine. Quatrième étage, l'Europe. Cinquième étage, l'Asie, et déjà sixième étage, c'est la direction générale où j'ai mis tous les œuvres plus prestigieuses, petit format, dans des vitrines, etc., des œuvres anciennes, on ne peut pas les mélanger avec les autres, là, de Goya, une œuvre égyptienne, etc., etc. Et les jardins, ça c'est aussi au septième étage, les Jardins de l'Espérance, qui est au septième étage, depuis aussi pour la construction du bâtiment, comme à la cafétéria, l'œuvre de Roberto Matta. À Miolis, nous avons aussi, qui a parlé de Miolis, nous avons un autre bâtiment pour les États membres. Aussi avec des espaces à l'extérieur avec quelques sculptures, l'entrée principale avec une installation magnifique de Soto. Et ça, c'est un bâtiment qui a été déjà fait en 70. Alors, toute l'œuvre jaune et bleue de Soto et d'autres sculptures, toujours des sculptures à l'extérieur. Et même la cafétéria, c'est une magnifique œuvre de Kelly, qui a 5 mètres de hauteur. Toujours, par tous les espaces où vous pouvez
vous baladez, vous savez, les Cébreras. Alors, ça veut dire que toujours, depuis le début jusqu'à aujourd'hui, l'intégration de l'art, l'architecture, les jardins, c'est très important. Et quand on fait des expositions là-bas, j'ai créé différentes salles d'exposition qu'avant, il n'y en avait pas quand je suis arrivée. Mais cette exposition aussi, il doit tenir en compte de que s'il y a un Giacometti, c'est elle principale, on ne peut pas arriver avec un panneau et le mettre devant, parce qu'on ne peut pas cacher un Giacometti. Et il faut faire que toute la disposition de toutes les expositions qui viennent de tous les États membres, et les faire en sorte que la même chose que les jardins qui sont à côté de Noguchi, et puisse rentrer, que la lumière rentre, qu'il y a toujours, les Sèvres doivent être toujours en dialogue avec l'architecture, avec cet espace et avec la lumière. Et ça, c'est très important du point de vue de l'architecture, quand, si vous avez des commandes à faire, si c'est pour l'espace, aujourd'hui, l'art contemporain, c'est beaucoup plus difficile pour au concept d'espace qu'avant, quand on faisait l'ermitage, etc. C'était à grandeur énorme, mais toujours avec des vitrines, avec des choses. Les concepts de muséologie et de muséographie ont beaucoup changé. Aujourd'hui, les espaces énormes, peut-être il y a une salle énorme pour faire une petite installation au milieu. Pourquoi? Parce que l'œuvre doit respirer, il faut voir tout autour, la lumière c'est différente, l'espace, cette œuvre doit dialoguer pas seulement avec l'espace, la lumière, mais aussi avec les spectateurs. Alors c'est comme si des fois vous devez vous mettre à la place de cette installation, de cette sculpture, pour voir comment respire. Moi, j'aime dire que les œuvres doivent respirer. Et c'est comme ça qu'il faut les mettre en contact, en dialogue. Aujourd'hui, vous avez visité la fondation de Lafayette, non? C'est demain. Bon, alors, vous allez voir que c'est la même chose, c'est un bâtiment du 19e siècle. 19e siècle, qui a été monté par un culasse à l'art contemporain, sa avant-garde. Et ça, il faut avoir des espaces qui sont multidisciplinaires pour savoir aujourd'hui on fait une chose, demain on fait une autre. Il faut avoir certains repères pour faire des espaces. Mais aujourd'hui, c'est la danse et demain, il y a une performance de théâtre ou il y a une installation de lumière, seulement que de lumière. Tout ça, ça change. Alors, il faut créer des espaces qui puissent être polyvalents et laisser toujours avoir une sortie pour qu'on puisse faire beaucoup de choses dans cet espace. Et toujours à tenir en compte que si c'est un bâtiment ancien, ce n'est pas la même chose qu'un bâtiment que vous allez créer, etc., etc. Mais bon, je ne veux pas être beaucoup plus longue parce que j'aimerais bien que vous donniez la parole et que vous me posiez des questions si vous avez des questions à me poser. Oui. Quand l'UNESCO commande une œuvre à un artiste, est-ce que vous leur donnez un espace avec des consignes ou est-ce qu'il y a comme un dialogue qui se fait comme un processus créatif à l'œuvre? Non, c'est ça que j'ai dit. Au début, les bâtiments ont commencé à se construire en 1956. Mm-hmm. En même temps qu'on a commencé à construire, et bon, bien sûr qu'il y avait déjà quelque chose déjà construit. À Picasso, on lui a donné. Alors, on a choisi à Picasso le comité d'architecture et des œuvres d'art, avec Gropius, De Costa, Le Corbusier. Il y a un comité qui propose et après, on choisit ça. Alors, on a choisi à Picasso.
Et qu'est-ce qu'on fait avec Picasso? À Picasso, on ne lui donne pas une consigne, on lui donne un espace hein, avec lui. Si lui, il accepte, tu veux cet espace? Oui, alors lui, il s'est adapté. Au début, il ne savait même pas qu'est-ce qu'il allait faire. Et c'est pour cela que cette période des bagneuses, ce n'est pas les périodes, la meilleure période de Picasso. Mais c'était la période des années 56, 57, etc. Et voilà, il a fait. À Miro, au début, on allait le donner, le faire. Une autre chose, mais lui, il a dit non, je veux faire la céramique. Alors, on lui a donné un mur à l'extérieur. Et c'est lui, les sujets, peu importe, c'est l'artiste. On lui donne avec lui, avec l'artiste, l'espace. À Calden, pareil, on lui a donné un espace, tu vas mettre une sculpture là, et il a fait les mobiles plus grands qui existent en France. Et 15 mètres d'auteur. Alors, comme ça, tous les artistes qui ont été choisis à l'Augustin, on donnait cet espace pour faire un jardin, mais n'avaient pas une condition, un sujet, ni on les espace. Alors, après, avec le temps, aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, on n'a pas le temps pour acheter, pour acquérir des œuvres. Vous savez qu'aujourd'hui, on reçoit seulement que ces acquisitions viennent seulement qu'à travers des donations. Et les donations, c'est pour cela qu'aujourd'hui, il y a un comité pour les œuvres d'art, qui était la secrétaire pendant des années. Qu'est-ce qu'on fait qu'avec ces comités, on voit si cette œuvre peut être bien intégrée dans l'UNESCO ou pas. Si ça correspond à cette structure, à ces bâtiments, on l'accepte, sinon on le refuse. Bien sûr, il y a certains, comme ce que vous avez vu à l'étage, qu'on ne peut pas des fois refuser à un ambassadeur, même à l'ambassadeur, non, à un ministre ou un chef d'État qui vient tenir avec un tableau. On ne peut pas le refuser à un chef d'État quand on te donne un tableau. On l'accepte, mais ce tableau, s'il ne correspond pas à la catégorie d'œuvre majeure, pour être accepté dans l'œuvre patrimoniale, on l'accepte dans la collection d'usage, qu'on appelle. On a deux collections, la patrimoniale et la collection d'usage. Et dans ces collections d'usage, c'est qu'on les met pour les étages. J'ai apporté un livre que je vous laisse pour l'école avec la collection patrimoniale de l'UNESCO que je viens de publier il y a quelques années. Vous pouvez voir même chose, le livre, un petit catalogue sur les œuvres, les sculptures à Expo 92 qu'on avait mis dans mon pavillon de la communauté européenne. Okay. J'aimerais savoir, vu qu'il y a certaines œuvres que vous ne refusez pas, mais que vous ne pouvez pas utiliser, comment est-ce que vous les stockez? Est-ce que vous avez un stockage pour le reste ou... On a un stockage, un petit stockage, pas énorme, mais c'est pour cela que j'ai inventé cette idée d'accrocher dans tous les étages. Et que nous avons 7 étages, et quand arrive, elle a tous, c'est une grecque, le bâtiment de l'UNESCO. Non? Et aussi, il y a Miolis, aussi, vous avez vu, je ne vais pas tout montrer, vous voyez qu'il y a beaucoup de couloirs, et aussi dans les bureaux. Et avec une fiche de prêt, on donne, par exemple, dans mon bureau, j'avais un grand œuvre de Rauschenberg, un Raphaël Casamade en héros. Nous, on peut emprunter la directrice générale. À chaque fois, on les change, on met selon la décoration, il y a et son goût. Il y a beaucoup, tout le monde a des énormes, même des grandes valeurs, même de la collection patrimoniale, dans les bureaux. Hein? Cette idée qui est sortie dans les années 50, il y a la fondation Miles aux États-Unis qui fait la même chose. Ils ont commencé une collection et qu'est-ce qu'on fait avec cette collection? Hein? La collection, des fois, il faut la stocker. Non, on n'achète pas les choses seulement pour les stocker, sinon pour les voir, pour les montrer. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On les met aussi dans les bureaux.
Ici à Renault, les bâtiments qui sont faits aussi dans les années 50, la même chose. Et la collection de Renault, c'est aussi partie dans leur bureau, dans les espaces d'entrée. Il y avait aussi un autre soto. C'est une autre manière de la fondation Stadinsen, de cigarettes. La fondation Peter Stadinsen, il y a où ils font la fabrique Philip Morris, Peter Stadinsen, etc. Où ils font les travailleurs en train de faire des cigarettes, je ne sais pas comment ils font. C'est plein de tableaux d'une grande valeur. La fondation Peter Stadinsen, c'était aussi pour que les gens puissent travailler dans un environnement d'un musée. Et ça, c'est une autre manière de faire les collections. Bon, pas le public, si un jour on fait une visite et on demande de la voir, oui, ça veut dire que ce n'est pas ouvert au public. Quand les gens viennent pour faire une visite normale à l'UNESCO, il y a le rez-de-chaussée, il y a les jardins, il y a le Tadeo Ando, les jardins japonais, on ne monte pas aux étages, bien évidemment. Et si on va à un cocktail ou quelque chose, au restaurant de l'UNESCO, on peut voir les tableaux que je vous ai montrés aussi, qui sont au restaurant, à la cafétéria, au 7e étage. Et c'est un jour, parce qu'il y a des personnes, c'est comme les patios de Burle Marx. Les patios de Burle Marx sont les seuls jardins de Burle Marx qui existent en Europe. Et ça, vous ne pouvez pas les visiter. Sauf s'il y a une visite pour l'architecture, avec un petit groupe d'architecture, etc. On vous demande, nous voulons voir et on vous les montre. Sans problème. Pardon ? On va visiter alors quoi ? Si vous êtes intéressé, je peux vous organiser une visite avec moi ou avec une autre personne, un architecte que vous invite. Moi, je serai enchantée de vous les montrer personnellement, sans problème. C'est pour ça que dépend la date, je vais rentrer maintenant en Espagne parce que je vais donner des conférences aussi là, faire aller-retour. C'est pour cela que je dis, je veux vous l'organiser, mais si moi je ne suis pas là, je peux vous mettre un architecte qui peut faire aussi montrer l'architecture, les jardins, pas seulement les œuvres d'art, parce que c'est un bâtiment que c'est important de les voir. De la base, les structures, la conception, les salles de conférence, voir comment a été conçu les plafonds, les sols, les matériaux, tout ça a été. Même les mobiliers, très, très, très intéressant. Des événements artistiques, bon. On a fait entre conférences et expositions par an 1000. Et ces statistiques, parce qu'on fait des statistiques tout le temps, sauf en cette période malheureuse. Oui, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expositions et beaucoup plus de conférences, parce qu'il y a beaucoup plus de salles de conférences que des expositions. Il y a, bon, une des. Mes premières plus belles expositions que j'ai fait à la UNESCO, c'était la de Afro. Je viens de parler. On a fait venir de la Fondation Afro de Milan et des œuvres magnifiques. Mais normalement, ça, ce sont des choses exceptionnelles. J'ai fait l'exposition de Afro. J'ai fait une exposition extraordinaire aussi des héros, des choses aussi éventuelles. Mais normalement, ce sont les États membres qui viennent présenter des expositions de leur pays. Alors, à nous, à moi de donner des directives et dire ça non, ça oui, ça non, ça oui, ça on l'a fait, c'était au niveau des espaces, au niveau des lumières, au niveau de tous les concepts qu'ils viennent avec de leur exposition doivent s'adapter aux concepts de notre espace. Et il faut respecter aussi
et nos œuvres d'art, les colonnes et les fenêtres. Pas derrière, hein, ça c'est bon, c'est pas joli. Bonne question. Il y a tellement d'œuvres un peu partout, de couloirs, de bureaux. Vous n'avez pas peur qu'on puisse les voler, les échanger en termes de sécurité? Bon, déjà, entrer et sortir à l'UNESCO, il y a beaucoup de sécurité. Déjà sortir avec un tableau, mais ce n'est pas évident, mais ça peut arriver. Hein. Mais même pour au niveau des assurances, il y a des caméras de surveillance. Giacometti, qui est l'œuvre la plus chère que nous avons, parce qu'elle a été, vous le savez, plus de 100 millions de dollars. Mais ça, c'est une œuvre que même je l'ai fait faire, il est attaché au sol. Alors, avec un cadenas que j'avais seulement la clé. Alors, c'est un peu difficile. Et c'est beaucoup plus facile abîmer une œuvre que la voler. Et si ça arrive, parce que ça arrive, hein, dans mon expérience, j'ai déjà eu un vol. Très bien organisé parce qu'il y avait les caméras de surveillance là et on a vu petit tableau mais sans grande valeur. Alors ça peut arriver mais ce n'est pas. Les restaurations sont compliquées ou faciles à faire vu qu'il y a beaucoup de sculptures qui un peu loin maintenant. Oui, c'est un peu loin, mais par exemple, Calder, qui on va les restaurer à nouveau maintenant, parce que Calder, comme c'est un mobile, elle n'est pas là, s'abîme avec les vents. Mais là, la fondation Calder qui a des experts, parce que même Calder, ce n'était pas lui, s'il était encore en vie, ce n'est pas lui qui va les restaurer. Il y a des spécialistes dans les œuvres, des Tchèques. De chaque œuvre, Calder, on fait appel à la Fondation Calder avec des spécialistes pour chaque métier. Pour toujours, on les fait en accord avec les agents droits ou les fondations qui viennent de chacun. Il y a des spécialistes pour la restauration pour chaque métier. C'est toujours en accord avec la fondation et les fonds. Mais il faut d'abord qu'il soit déjà. Il commence à avoir des œuvres qui sont très, 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 très contemporaines, très avant-gardistes. Mais s'il vient bien avec les structures, ça veut dire, il y a des normes de l'ICOM. Et il y a des normes avec les comités des œuvres d'art, on a dicté pour que ce soit plus facile à accepter ou refuser. Alors, on doit correspondre à ces critères. Et si on voit que ces critères ne correspondent pas, c'est pour cela aussi que c'est le comité, que c'est un comité d'experts indépendants. C'est-à-dire, dans ces comités aujourd'hui, il y a le vice-président de Sotheby's, il y a un directeur de AXA Art, parce que les assurances, c'est aussi très important que j'ai voulu mettre les assurances à l'intérieur de ces comités. Et il y a un architecte, je suis aussi un architecte, il y a des experts aussi dans les arts asiatiques, africains, parce que des fois, on reçoit un objet ou une œuvre africaine et tout le monde ne peut pas être expert en africain, en asiatique, etc. Alors j'ai fait intervenir la région ou quelqu'un de Musée Guimet, on avait la directrice du Musée Guimet, pour les arts africains aussi, c'est lui de Sotheby's, elle était spécialiste en art africain, etc. C'est-à-dire que tant les membres des comités sont des experts qui couvrent toutes les spécialités et tous les continents d'art.
et on a des critères pour pouvoir dire cette œuvre correspond à la collection ou cette œuvre ne correspond pas à la collection. Et comme ça, nous, on la refuse comme comité. Normalement, ce sont des artistes qu'on reçoit des fois. Il y a des artistes que nous, on ne connaît pas, par exemple, qui viennent de la Mongolie. Qu'on reçoit du monde entier. Alors, c'est pas, évidemment, on ne les connaît pas, mais l'œuvre en soi est magnifique. Alors, pourquoi on va le refuser? Si le comité accepte, l'œuvre est acceptée. La qualité, c'est beaucoup plus importante que la cote de l'artiste. C'est aussi notre rôle, pouvoir choisir et de pouvoir discerner qu'est-ce que c'est bon et qu'est-ce que c'est pas bon. C'est pas seulement beau dans le sens de la beauté artistique, parce que la beauté artistique, on pourrait aussi faire une autre conférence. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Mais c'est pour cela qu'on ne rentre pas à ça. Beau dans le sens qui correspond à qu'est-ce que c'est l'UNESCO.